Et on se réveille, bienvenue en pleine nuit. Alors il se pourrait que dans un univers parallèle, on ait passé beaucoup de temps à combattre des monstres, à s'extraire, à faire de l'extraction et faire partie d'une équipe Rainbow Six peut-être, et qu'on ait un peu oublié d'avancer dans The Long Dark. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien. Nous sommes de retour, donc on fait ça un vendredi pour sortir l'épisode le lendemain, en espérant que ça marche. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Alors, la dernière fois, on avait vu que... Alors, je sais que c'est un peu sombre, hein, mais on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu. On avait vu qu'on avait une corde. Où est-ce qu'on est, par contre? Là? Non, on n'est pas là. Non, on est là. Non, on est là. Donc, on a fait pas mal de chemin. Oui, je sais, t'as soif. On a fait pas mal de chemin. On est arrivé là, où c'était complètement bloqué, mais on a vu qu'il y avait potentiellement un chemin. Hein. On n'est pas encore complètement sûr, honnêtement. Je vais péter un câble s'il n'y a strictement rien. Donc, on a trouvé une corde ici. On est descendu. Après, on s'est un peu baladé. On a vu que c'était connecté. Enfin, tout est un peu connecté. La map est plutôt cool. Hein. La map est vraiment cool. Et on est dans une grotte ici. Et donc, du coup, nous, on veut escalader. Et on a vu que si on continuait, je crois qu'on peut potentiellement revenir sur la prison directement. Mais ouais, on va escalader. Elle est en pleine forme. Il fait encore nuit, à la soif. On a quoi en nourriture? On a que ça. Oui, alors là, on avait mauvais état. On a laissé un peu de bois, du charbon. Je vois strictement rien. De l'eau. De l'eau, on a quoi? De l'eau. On a 4 litres. Ça, c'est de l'eau potable, ça va. On a le jeune érable sur nous. On est à combien de kilos? C'est 40 kilos. Et on n'a pas récupéré le sac de couchage, donc ça ferait 43. Donc ça ferait 43. Fais voir un peu la température. On est à moins 18. On avait récupéré toute la nourriture, hein, je crois. Du loup qu'on avait tué. Je crois. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va attendre un peu. Je pense qu'on va attendre un tout petit peu. Et, genre, comme d'habitude, attendre genre 1 ou 2 heures. Redormir par la suite. Ça nous permettra déjà de boire un peu et de manger, donc ça réduit notre poids. Et de récupérer encore un peu de... non, on va pas utiliser là. On va récupérer un peu de vie. Et d'attendre qu'il fasse beau en fait. Enfin, attendre qu'il fasse jour déjà. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre! Oh mon dieu, sans déconner! Eh bah, ben, encore heureux qu'on n'a pas pris la corde. Parce que en haut, je sais pas s'il y a un abri. Donc imaginez qu'on n'ait pas d'abri. Il commence. J'ai eu une personne qui a commenté par rapport à ça. Il commence à avoir un peu beaucoup, hein, un tout petit peu beaucoup de tempêtes, j'ai l'impression aussi. Je sais pas si c'est parce qu'on reste trop longtemps dans la zone, ou alors c'est peut-être juste la malchance. Mais bon, encore heureux qu'on a beaucoup d'endroits, hein. Si on regarde la map, on a beaucoup d'endroits pour se mettre à l'abri. Genre la grange, ça peut être un abri. Ici, c'est un abri. Le mobilhome, là, on a la maison. Après, plus loin, on a des grottes ici, grottes là. Enfin, non, ça, c'est celle qui est en bas, donc on va pas la compter. Après, on a là, la résidence, on a le vieux poste. Enfin, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a, je sais pas, quelques kilomètres à parcourir, et à chaque fois, il y a des endroits, en fait, pour se mettre à l'abri.
Donc ça, on va dire que c'est vraiment le bon côté de la zone. On va très rarement... Puis maintenant, on la connaît un peu, la zone. Mais on va très rarement rester, genre, à l'extérieur et être bloqué, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que... Hein, ça commence à peser un peu lourd, les tempêtes, là. Ça commence à peser un tout petit peu lourd. Bon, après, ça reste pas longtemps, normalement. On va voir. Mais ça fatigue. Je voudrais bien, genre, pendant... Pour un épi... J'ai l'impression que depuis au moins... 5... Oh, la vache. C'est de plus en plus blanc et tout. Ça, c'est... J'ai l'impression que depuis quelques épisodes, genre... 3-4 épisodes, faudrait que je regarde, faudrait que je vérifie. J'ai l'impression qu'on a eu que des tempêtes à chaque fois. On a toujours eu au moins une tempête, minimum une tempête. Ça m'embête, ça. On va prendre ça. On a du petit bois sur nous. Non, on n'a pas de petit bois. Voilà. C'est juste pour commencer un feu et après on pourrait mettre du charbon dedans. Vous vous rappelez l'époque où le charbon, on pouvait pas l'utiliser directement? Vous vous rappelez de ça? Il fallait que le feu ait au moins 30 minutes. Je me rappelle encore de ça. On va dormir. La tempête s'est arrêtée. Il doit faire encore très froid. Ça, c'est un peu un problème. Mais au moins, il n'y a pas l'air d'avoir du vent. Ou quoi que ce soit. Donc, avant de monter... Je crois que la montée est grande. Honnêtement, je crois que ça va être très très long, l'ascension. Donc, honnêtement, c'est bien que la tempête soit passée maintenant. On est à 43,50. On a ça, 43,50. Le reste, on va le laisser. Ah oui, on va peut-être prendre ça. 43,80. Ok, on y va. Allez, c'est parti. La corde est là. On aurait pu faire cuire un truc avant de partir. Ça aussi, avant on pouvait laisser chauffer en fait les thés et tout ça. Maintenant ils brûlent, même si on les met pas sur le feu, on les met à côté du feu. Honnêtement, j'aime pas cette nouveauté, je la trouve bête, ça n'a pas de sens. Si c'est pas directement sur le feu, ça ne devrait pas brûler, mais bon, ça on en avait parlé déjà. Mais le truc c'est que j'aurais pu laisser un feu qui dure genre 1 ou 2 heures et mettre les choses à côté pour les réchauffer. Et après, une fois que la tempête s'arrête, hop, je bois par exemple... je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Je bois par exemple le thé ou... Enfin, les tisanes et tout ça, et tout ce qu'on a. Comme ça, ça nous réchauffe et on est prêt à partir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, on ne peut plus vraiment faire ça parce qu'il faudrait timer, il faudrait savoir le futur du coup. Il faudrait savoir quand la tempête va s'arrêter et genre 5-10 minutes avant, on commence à faire un feu et là, on chauffe les choses. C'est bête. C'est honnêtement bête qu'ils aient changé ça. Je suis pas super heureux par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'au final on commence à de moins en moins utiliser de boissons qui nous réchauffent. Quand il y a des tempêtes en tout cas. Parce que bah il y a le problème du... on connaît pas le futur. Voilà. On sait pas quand ça va s'arrêter. Bon bah ça va, on est en haut. On est en haut. Ah, on a encore une corde. On a encore une corde. 43,80, elle n'est pas encore complètement fatiguée. On est à moins 9 degrés.
ça fait... Ah, attendez, moins 9. On est à dormir une heure. On va la reposer une heure. On est à moins 9. Ça fait plus 9 sur le lit. Donc même si jamais ça baisse de 1 ou 2 degrés, on devrait pas avoir froid. Voilà, parfait. Ben, vous voyez, même moins 8 maintenant. Il fait même jour, on pourrait faire du feu. Mais ça va aller reposer. Allez, on y va. Faut que je regarde un peu autour. Là, il fait très beau par contre. Ça, c'est le bon côté de... Le bon côté de... De l'après-tempête, j'ai envie de dire. Encore qu'on a les crampons, hein. Si on n'a pas vraiment de problème. Parce que là, c'est des grandes cordes, hein. C'est des très grandes cordes. Là, on aurait dû au moins dormir 2-3 heures de plus, voire boire du café pour cette corde-là. Là, par contre, elle commence à être fatiguée. Mais bon, il fait bientôt nuit, de toute façon. Risque d'entorse, ok, là... Son poids max commence à baisser. On est à... Pardon, là... On est à 43, ça va. Ça va, ça va. On va encore pouvoir explorer tout ça, c'est bon. J'ai bien repris le... Juste, je vérifie, parce que des fois, j'ai fait des conneries comme ça. Oh, tiens, on oublie un truc sur un... Une des montagnes. Genre complètement perdu. On oublie le sac de couchage. Ah, ça c'est des champignons, ça c'est bien. On va commencer à prendre des petits bois aussi. Là par contre, ah oui, je pourrais faire du feu pour qu'on se réchauffe. Avec la... avec la loupe. Mais j'ai vraiment envie de trouver un endroit en fait. Attendez, on va faire ça. Ok. Par contre, on va où? On continue sur ce flanc-là ou pas? Non, hein, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Là, c'est juste pour regarder. Ok, on va avancer. Là, on pourrait se réchauffer. Mais ça sert à rien de faire un feu si on a un bâtiment à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ça? C'est pas bien. Si ça me dit mine, je vais péter un câble. Non, ça va. Oh, grotte. Ouais, vous voyez, ça sert à rien de faire un feu. Y'a personne qui habite. Allô? Ça va. Vous voyez, ça servait strictement à rien de faire un feu. Encore, donc on prend ça, ça... Ça fait beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'on a 3 flares. Ça, on peut le boire, à la limite. Soda en mauvais état. Soda en mauvais état, ça peut être quoi? Genre, il n'y a plus de gaz dedans? Moi, je le vois que comme ça. On va dormir une heure. Ouh, j'avais un peu peur de ça aussi. C'est pour ça que je préfère dormir une heure là, me réchauffer. Parce que il fait pas trop froid. On était à moins 8, je crois, quelque chose comme ça. Mais on était déjà en froid. On avait déjà froid. Donc ça aurait pu être pire. Là, il y avait un peu de vent. Non, moins 10, ouais, ça s'est un peu empiré. Donc là, au moins, on a pas vraiment trop froid. Du coup, on a du bois. J'ai un peu peur, là, dans les lignes droites. Dans les couloirs, c'est des couloirs, quoi. J'ai un peu peur quand on est à nez avec des choses. Mais bon, dans les montagnes, comme ça, en hauteur, je dirais quoi. Qu'est-ce qu'on peut... On peut tomber sur des ours, peut-être. Des loups gris, ça m'étonnerait. C'est plutôt dans les grandes plaines. Enfin, dans les endroits ouverts. Mais là... Oh putain, lapin. Oh, il m'a fait peur. Oh. Il m'a fait peur, ce con.
Bon, s'il y a un lapin, c'est bon signe. Quoi ce bruit? J'ai rêvé ou on a entendu un bruit, genre sourd, un bruit de boum? Bon, le lapin, on va pas le... Ah, quoi que, attends. Si Mère Nature nous donne des pierres, c'est pas pour rien. C'est quoi ce bruit? Waouh. Bon, allez, tu... T'auras la vie sauve. Non! Toujours faire... Jamais aller trop vite. Toujours faire attention. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Ça restera là. Oh, on a ça. Normalement, on peut les détruire, je crois, non? Ouais, ok, avec une hache. Okay. Les broussailles. Ça, ça peut des fois bloquer des chemins. Je pensais pas en trouver ici. Dans cette région. Oh, 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 oh. Ok. Oh. Il y a un truc là. Ah oui, trouvé. Très bien. Je suis pas fou, on entend bien un sort de boum à chaque fois. Ou alors c'est chez moi et on est en train de d'essayer d'abattre un mur. Ou une cloison. Ce sera embêtant ça. Dis-moi que c'est la mine, dis-moi que c'est la... Je t'en supplie, dis-moi que c'est la mine. Par contre ça a l'air sympa là, si on peut se balader. Oh regardez, il y a plein de trucs de mine. Charbon. Vers la mine. Non, sans déconner, on l'a trouvé. Ok, elle est un peu froide, c'est pas grave. Attends, on va d'abord se balader. On va peut-être récupérer le lapin, honnêtement. Parce que là, on a l'air tranquille. Non, attendez. Ok, lapin, lapin, lapin... Quoi tout ça, c'est des pierres? Ouais, c'est des pierres. Merde, ah j'ai pas vu le nom. On est où? Ah oui mais du coup il faudrait... J'ai pas vu le nom. Blackrod dernier espoir. C'est ça? Dernier espoir, c'est ça? J'avais écrit? Par contre j'ai pas envie qu'elle ait trop froid. Il fait pas l'air de faire très froid ici. Du charbon. Du charbon. Je le vois plus. Les dents. Je voudrais bien le chasser à la flèche. Comme d'habitude, hein, je préfère largement les chasser à la flèche. Mais... Merde. Mais voilà. Ça coûte cher les flèches. Du charbon. Charbon. On est bien là. Par contre c'est la nourriture. On va avoir un problème avec la nourriture. Je pense pas qu'il y ait de la beaucoup de bouffe ici. Je pense pas qu'il va avoir grand chose à bouffer. Faut que ça arrête ce bruit là, ça me stresse. Là, peut-être du bois. Ah, provision. Pansement et charbon. C'est quoi exactement? Réserve de provision, d'accord. C'est pas une réserve que de bois en fait, d'accord. Bon, au niveau feu, je crois qu'on est, tranquille. Le problème, ça va être nourriture.
Bon, après, on a encore pas mal de... On peut faire bouger le saut. On va avoir pas mal de... De massettes encore. Bon, allez, on va rentrer. On va rentrer. Ouh, ça, faut faire gaffe. Ce câble, là, je viens de voir, là, en fait. Genre, pendant la nuit, le truc, il va s'allumer direct. Ça, c'est certain. On avait un autre lapin en arrière. Ça nous en ferait 3. Allez, on rentre. Vers la mine. Ouh, on a trouvé la mine, enfin! Champagne, champagne. Mine abandonnée. Champomy pour tout le monde. On voit pas grand chose. Mine en trans. Vous voyez ou pas? Mine en trans. Ok. Alors attendez, il nous faut un endroit. C'est de l'eau ça? Non. Il nous faudrait un endroit pour. Ça, c'est noir là. Oh, c'est quoi ça? Une maison? Boîte en carte. Pétarateur. Quoi? Pétaradeur. Un engin explosif improvisé. Il sert à effrayer les prédateurs, mais il peut blesser si vous vous trouvez trop près au moment de la détonation. 0,20, ça va. Cool. Bon, attendez, je vais être sympa, parce que je voulais un peu regarder sans utiliser ça, mais... Faudrait par contre trouver du fuel, ce serait vraiment bien de trouver du fuel. Ce serait que là, on n'a pas vraiment trop de luminosité. Donc, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est cassé. Bon, ça peut être un endroit sympa. Alors, on va d'abord faire un petit... 27 minutes... Je veux juste enlever le carton. T'es sérieux, là? Parce que je voudrais bien enlever le carton pour pouvoir mettre ça. Parce que, honnêtement, je pense qu'on peut le mettre comme ça. Mais c'est le carton qui gêne. Bref, bon. Il va bientôt faire nuit. On a des câbles électriques qui passent ou pas? Non, par contre, j'ai vu de la lumière. Ouais, là, il y a de la lumière, il y a une lampe. Donc, avec de la chance, peut-être qu'on va avoir une aurore boréale. On va pouvoir se déplacer. Sans trop de problèmes. Attendez, on peut faire du feu à l'intérieur? Non, on peut pas faire du feu à l'intérieur. On n'a rien pour faire du feu. Enfin, pas d'endroit. Je suis en train de réfléchir à comment on va procéder, en fait. C'est ça, le truc. Bon, on a les lapins. Alors déjà, on va se vider un peu. Alors déjà, tout le charbon ici. On va mettre ça, ça là, comme ça. Très bien. On va mettre... Ça, c'est embêtant de ne pas pouvoir faire du feu. On n'a rien pour faire du feu. Pas d'endroit. Un peu chiant, ça. Bon, bref, ça là. On a... Bon, pour l'instant, les lapins, on va les mettre par terre. C'est ça, je termine à 19%. Voilà, comme ça, ça va sécher. Très bien. Donc là, on a... 4 bleus. 4 bleus, ça fait trop. En plus, surtout qu'on peut pas vraiment les utiliser pour s'éclairer. Parce que ça reste pas allumé très très longtemps. On a 0 fuel. On a une lampe qui est presque pleine. Presque pleine, mais on a 0 fuel. On a
4 bombes. Alors, fais voir comment elle les équipe, les bombes. Genre, hop, pierre. La pierre, on va la jeter. Ok, ouais, elle peut les éclairer comme ça. Ok, ça marche. Elle peut les prendre dans la main comme ça. Ok, parfait. On a 1, 2, 3 torches. Je peux pas en faire d'autres parce que je n'ai pas de fuel. J'ai du tissu, j'ai des bois, mais j'ai pas de fuel. J'ai envie de dire qu'on est assez limité quand même. Ok. Ok, ok. Donc. Bon, merde. Ça, ça m'embête. Parce qu'en fait, on est à un bon endroit, là. C'est sympa, ça fait petite cabane, là. Mais le sol, il est tellement pourri que... Bref. Voilà. Il n'y a pas d'électricité, on va pas se faire électrocuter, ça. Attends, on a une belle cabane à l'intérieur et on est obligé de dormir à l'extérieur du truc pour... Ça fait un peu... Ça fout un peu les boules, quand même. On est obligé de dormir à l'extérieur parce que voilà, quoi. Alors, j'ai envie de dire, on va peut-être taper dans les massettes parce que j'ai envie de dormir genre 2-3 heures, le temps de la remettre un peu d'aplomb et tout ça. Et en espérant, je vais croiser les doigts pour qu'on ait une aurore boréale et que la mine s'allume. Mais bon, je suis pas vraiment certain de ça, mais on va voir. Si jamais on se réveille et qu'on n'a pas d'aurore boréale, rien, je vais dépecer les lapins qui sont à côté. Genre 3 heures. On va voir. Ouais. Car faut dire, les aurores boréales sont assez rares quand même, hein, dans la région. Sont quand même assez rares et ça c'est un peu embêtant. On va déposer ça, ça, notre viande, on va la mettre là. C'est vraiment des petits lapins en plus. Hein. La musique commence à être très forte. Ça, il faudrait que je la baisse. Oui, 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 oui. C'est embêtant. Ok. Ou alors on finit la nuit. Ah, ça m'embête. Par contre, oui, non, pour les calories, je sais pas quoi faire, là. Pour les calories, je sais pas quoi faire. Surtout, c'est qu'on est un peu bloqué dans une zone où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a strictement rien. On a un lapin à récupérer derrière, et basta, quoi. Je sais pas, on va encore redormir un petit coup. Genre 2 heures. S'il n'y a pas d'aurore boréale, je vais allumer la lampe et on va se balader un peu. Ou alors on finit la nuit, je sais pas. De toute façon, de jour, on va rien voir non plus. Donc autant y aller. Parce que je voudrais bien trouver des calories, des choses à bouffer. Oh, il y a un chemin là. Elevator, ok. Donc ça c'est le chemin d'un ascenseur. On va essayer de se bouger le cul par contre. Hein. Comme j'ai dit, j'ai
pas beaucoup de choses. Oh la vache! Danger qui part. Ok. Bah ok hein. Vous savez moi hein, pas très courageux. Hein. Non, on va visiter plus tard. On va visiter plus tard. D'abord on va le faire floor 1. Floor 1 ça a l'air pas mal. On peut rien faire. Pourquoi on entend du vent? Oh putain, il y a des câbles électriques par terre. Merde. Oh mon dieu. Oh. Oh yes. Ah ouais non mais c'est de l'accélérant, on s'en fout en fait. Ah ouais non mais faut pas y aller de nuit, hein. Y a du câble partout quoi. Fût de flèche, intéressant. J'aurais préféré quand même de la bouffe. Et bah du coup En fait on voit quand même. En fait, il fait pas si sombre que ça. Enfin, non, peut-être pour vous, oui, il fait quand même très sombre, peut-être. Pour moi, ça va, je peux me déplacer, en fait. Mais pour vous, il fait peut-être très sombre. Bon, on va continuer de ce côté, alors. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur qu'on ait besoin d'électricité, en fait, pour l'ascenseur. Ce qui paraît très logique, hein. On va voir. Enfin, si le truc est pas détruit... Danger qui part, ouais, c'est parti. Dites-moi qu'on va trouver une réserve avec plein de nourriture et tout. Ah, il y a de l'eau, touche pas l'eau. Danger qui part. Là, il y a quoi? Électricité. C'est sec. Oh mon dieu. Mine site. Access only. Mine shaft. Oh, on peut tomber? Faut faire attention. Mon dieu. Labyrinthe. Manivelle d'ascenseur. Ok. Ah ouais, mine shaft. Ok. Une manivelle d'ascenseur. On est dans un jeu. Ah, yes. Combustible pour lampe, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. J'suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait casser. Est-ce qu'on casse les caisses ou pas? 39 minutes à chaque fois. Parce que. Ouh. Parce qu'à chaque fois, en fait, on perd des calories. Donc est-ce que c'est. J'avais pas vu ça. Est-ce que c'est bien de le faire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas une chance d'avoir des objets à l'intérieur? Je suis pas sûr. Donc ça, c'est l'ascenseur. Oh, cool! Attends, monter, sortir de l'ascenseur. Oh, ça tue! Reprends la lampe, hein. Ouais. Ça tue. Vous avez vu en plus elle met la lampe par terre à côté? Ah ça c'est stylé ça. Ah c'est super stylé. Bon par contre on avait un autre chemin à droite. Donc en fait on n'a pas besoin d'électricité. Sympa. Oui 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 oui. Attends, d'abord on va aller voir l'autre chemin. Bon là je pense pas qu'on ait des risques d'aurore boréale, c'est trop tard. Par contre, je voudrais voir là. Quoi ce bruit? Merde!
pas ça que je vais faire. Ah, histoire de se faire peur, hein. Ça, c'était la petite frayeur. Elevator, encore? Elevator. Doucement, doucement. Doucement. Va pas t'effondrer. Genre quand je suis là, quoi. J'ai le sac. J'ai pas le sac de couchage sur moi. Ah oui, non, je l'ai pas pris parce que c'était lourd. Oh là là. Elevator floor. Exit. Oh mon dieu. Elevator. Mais ça, c'est un autre ou c'est le même? On peut pas. Ah, il doit être en dessous. Je dirais qu'il faut prendre le premier ascenseur pour descendre, et après on peut avoir accès au deuxième ascenseur pour monter, peut-être. Ça paraît logique ou pas? Par contre, on va se bouger le cul parce que on est quasiment à la moitié de la lampe là. Alors là, on va retourner vers l'entrée. On va aller récupérer l'autre lapin qu'on a à l'extérieur. On va larguer quelques objets qu'on a sur nous. Parce qu'on est lourd, on est avec le charbon et tout ça. On va dormir. Et après on va explorer. Peut-être on est à combien? Peut-être dans l'épisode. Dans le prochain épisode on va tester l'ascenseur peut-être. On va voir. Parce que là on est très mal en bouffe et tout. J'ai vraiment pas envie de perdre mon bonus de calories là. Et pour l'instant, c'est la chose qui me fait le plus peur, c'est ça. Alors, charbon, c'est là. Très bien. C'est marrant, le charbon, il stackait pas. Certains morceaux qui stackaient pas ensemble, c'est pas grave. L'autre lapin était pas très loin, hein, si je dis pas de bêtises. On voit strictement rien. Bon, on va faire un feu. On va récupérer le bois, on va faire un feu à l'extérieur, histoire de faire cuire notre lapin, nos deux lapins là, et faire de l'eau. Voilà, très bien. Vu que je peux pas faire du feu à l'intérieur. Bon, c'est assez intéressant, cette mine, c'est assez intéressant. Surtout le coup de la manivelle avec l'ascenseur et tout, je pensais pas avoir ça. Je pense qu'un feu ici, c'est pas mal. On peut le mettre sur le côté.
genre là, ouais, non? Là, c'est pas mal. En fait. Là, on est protégé du vent. Ouais, on est protégé. Parce que là, c'est sur le chemin, ce serait un peu chiant. Donc à la limite... J'ai pas de petit bois sur moi. Merde. J'ai cru que j'avais pris le... Désolé. On va prendre le petit bois parce que même si c'est 95%, hein, le petit bois il est juste là, c'est 100%. Donc hein, on va pas tenter le diable non plus. J'ai pas envie de perdre des allumettes bêtement. Voilà. C'est mieux comme ça. Aïe aïe aïe. Ah, tiens, on peut changer avec ça. Voilà. Voilà. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et on a chaud. Alors... ça. On est pas mal là, on est pas mal ici. Ça serait bien qu'on trouve quelques loups ou des trucs comme ça. Voilà, 27 minutes, 15 minutes, très bien, on va en profiter pour faire ça. Je suis un peu lent dans mes mouvements, mais c'est parce que, comme j'ai dit, ça fait un petit moment que j'ai pas... Je ne suis pas plongé dans The Long Dark. 9 minutes, on va faire ça. Alors, très bien, hop, hop. De l'eau, cuir. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a des... Parce que les massettes, on va peut-être quand même les garder. On a trouvé des baies. Donc on va pouvoir faire des tisanes et tout ça. Voilà, ça c'est bien. On en a trouvé pas mal. Par contre, faut que je me rappelle eau potable. Cette... Alors, on va faire comme ça. Eau potable. Cuir, cuir. Normalement, on risque rien ici. Un kilo, la manivelle. Ah merde. Planche. La masse. Ok. Ah bah on a vraiment eu un angle, j'imagine un angle de vent tout pourri quoi. Parce que j'étais bah alors 100% certain que là le feu il pouvait pas s'éteindre quoi. Ah on a dû vraiment avoir un angle à la con. Ah putain je suis dégoûté. Waouh. Ah ouais non là je... Bah merde. Complètement dégoûté. Mais t'es sérieux quand il n'y a pas d'endroit pour faire du feu à l'intérieur? Ça, si ça ils sont vraiment vaches de pas avoir mis d'endroit. Je trouve. Non, je trouve que c'est assez vache d'avoir fait ça. Par contre, il n'y a rien dans les boîtes en carton.
Bon bah du coup on peut dormir. On va dormir. Bah attendez, est-ce qu'on va faire... On va mettre fin à notre épisode. Ça sera notre petit épisode. On a quand même le lapin à aller récupérer. Je voulais vraiment récupérer le lapin maintenant, mais bon putain, avec cette... ce problème de vent. Là, il n'y a rien. J'essaye aussi de me vider encore un peu plus. Les bombes, on peut en... genre en garder une. Garder une sur nous, parce que c'est quand même 0,20, c'est beaucoup. Ça aussi, on peut laisser ça là, peinture. ,50, ça c'est bien. On va tout mettre dedans. Parfait. Parfait, parfait. Ah ben là ça me... ah ça m'embête le coup du vent. Bon, on va mettre à fin notre épisode. Ce sera un épisode un peu plus court. Et la prochaine fois, j'essaierai de le faire un peu plus long. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer l'autre lapin. Parce que là, en fait, j'ai rien à faire. Là, je peux rien faire. Là, si on sort, il fait trop froid pour aller récupérer l'autre lapin. C'est trop dangereux, du coup, de refaire du feu. Parce qu'on risque de se le faire souffler encore une fois. On peut pas faire du feu à l'intérieur et elle est fatiguée pour explorer la mine. Donc là, on est un peu bloqué. Donc on va devoir dormir. Donc du coup, ça va être la fin de l'épisode. Donc ce qu'on va faire la prochaine fois, comme j'ai dit, c'est récupérer le lapin. Ça c'est déjà ça. Comme ça, ça nous fera un peu plus de bouffe. Et après, on va continuer notre exploration. On a 3 torches. On a 3 torches. Bon, elles sont pas toutes à 100%, c'est pas grave. On a une lampe tempête pleine. On a une fusée. Ça, les fusées nautiques, on s'en sert pas vraiment pour s'éclairer parce qu'elles durent pas longtemps, mais on a ça au pire. Le problème que dans la mine, on peut pas faire de feu au sol, donc on pourrait même pas récupérer des torches. Après, ce qu'on peut faire, par contre, en parlant de ça, c'est qu'on peut faire... un train de torches. Donc on va à l'extérieur, on fait du feu. Ah, on va peut-être faire ça, tiens. Ok, on va peut-être faire ça. C'est-à-dire qu'on va aller à l'extérieur, récupérer le lapin, on va le faire cuire. On va faire un gros feu et on va récupérer tout plein de torches. Elles seront dans les 25-30%. Mais au moins on aura des torches. Parce que là on peut pas les créer, les torches. Je vous rappelle que pour faire les torches, il faut... il faut des bâtons et du combustible. Bon, le combustible, on l'a mis dans la lampe, c'est mieux. Mais il faut aussi des bâtons. Et il faut, bon, les tissus, on a. Vous voyez, donc on peut pas faire des torches à 100%. Donc le mieux, des torches gratuites, ça serait de faire du feu à l'extérieur. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée. Ok, ça marche. Et on va faire de l'eau. Et parce que du coup, on va aussi boire des thés. 15, 17, on en a combien de ça? Ah, qu'un seul? Bon, on n'a qu'un seul extra. Donc on va faire ça. C'est un peu de l'eau gâchée, mais là c'est surtout pour récupérer des calories en plus. Ok, ça marche, on va faire ça. On va dormir le plus possible. Enfin, quoi que non. Enfin, si. Et on est motivé pour la suite, ça marche. Ciao, ciao.